J-1. Et oui, J-1. Donc j'ai le smile parce que je suis vraiment heureux à l'idée de te voir demain, de pouvoir vivre ces instants de conférence coaching. Comme j'aime dire, les réseaux sociaux, c'est bien. C'est très bien. Ça nous permet de communiquer. Mais la réalité, c'est mieux. Le physique, c'est mieux. Et c'est pour ça que j'organise ces conférences afin qu'on puisse vraiment se voir, qu'on puisse échanger ensemble et que tu puisses aussi rencontrer d'autres personnes. Parce que souvent, la première clé de l'échec, ou une des premières clés de l'échec, c'est qu'on s'entoure des mauvaises personnes. On n'a pas le bon environnement, on n'a pas le bon entourage. Donc c'est important que tu puisses t'offrir cette oasis. Pour moi, cette conférence coaching, c'est comme un oasis. C'est comme une bulle d'air que tu vas prendre. Enfin, je vais pouvoir me poser et faire le point sur moi-même. Enfin, je vais pouvoir investir du temps dans moi-même. Parce qu'au quotidien, on n'a pas forcément le temps. On n'a pas forcément le temps de se poser les vraies questions. Quel est mon potentiel? Quelle est ma vocation? Pourquoi suis-je fait? Comment est-ce que je peux optimiser ce que j'ai en moi? On n'y pense pas vraiment. Et ce genre de conférence, en fait, ça te permet vraiment de te poser. Et en plus, avec des personnes qui pensent comme toi, qui pensent développement personnel, qui pensent évolution, qui pensent progrès, qui pensent réussite, qui pensent positivité. Et ça, c'est important, en fait. Et ça te permet de réseauter aussi, de rencontrer d'autres personnes qui sont dans la même dynamique que toi. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix parce que tu vas pouvoir effectivement rencontrer des personnes qui te comprennent. Et que toi, tu comprends. C'est tellement important de rencontrer des personnes, voilà, qui nous comprennent, en fait, avec qui on peut échanger autour de développement personnel et on se comprend. Et on n'est pas nombreux. On n'est pas forcément nombreux à être dans cette dynamique. On croit que les gens sont dans cette dynamique. Mais non, on n'est pas si nombreux que ça. Donc, se rassembler est important. Connaître les gens qui sont dans cette dynamique est aussi importante. Et moi, ça va me faire vraiment plaisir de vivre ces instants. Mon équipe et moi, puisque je ne suis pas tout seul, mon équipe et moi, ça va nous faire plaisir de vivre ces instants avec toi. Je fais juste un petit point organisationnel. Oui. Puisque beaucoup veulent se procurer mon livre, le chef-d'œuvre qui est en toi. Donc, tous ceux qui veulent se procurer mon livre, n'hésitez pas à venir un peu à l'avance. Au lieu d'être là à 18h, parce que la conférence commence à 18h, donc ne venez pas à 18h, n'hésitez pas à venir à 5h30. 5h30, 5h35. Afin que vous puissiez avoir le temps de vous procurer le livre. Et ensuite, à la fin de la conférence, je prendrai un petit temps pour les dédicaces. Voilà, comme ça va fluidifier un petit peu le trafic. En tout cas, j'ai hâte d'être à demain. Je te souhaite de passer un bon vendredi. Vendredi, tout est permis. N'oublie pas de te faire plaisir et on se voit à demain. Ciao.